Bonjour à tous. Le Conseil départemental junior de Moselle s'engage contre le harcèlement et pour sensibiliser plus largement le public et notamment les scolaires, il a décidé d'organiser un concours vidéo. Les jeunes ont pu laisser libre cours à leur imagination pour parler de ce fléau. Au total, ce sont 21 vidéos qui ont été réalisées et présentées au Conseil départemental junior. Le classement a été dévoilé, la troisième place revient à Clara Sansalon et sa vidéo intitulée « Bullying Diaries ». Elle met en scène une jeune fille qui lit un livre écrit par une jeune qui a été harcelée et elle va se retrouver à la place de la victime et éprouver tous ses sentiments. Je vous laisse regarder un extrait. Le deuxième prix a été remporté par l'association Vibration Danse de Faré-Berzvillers avec la vidéo « Libère-toi » de ses chaînes. 15 danseurs âgés de 12 à 17 ans y ont participé. À travers une danse, ils montrent l'importance d'agir face au harcèlement. Vous reconnaîtrez aussi sans doute la voix de Marina D'Amico qui pour l'occasion a interprété un titre de soprano. Quelques cœurs sur sa photo, mais surtout des commentaires, des moqueries, des critiques, des insultes, des émojis pervers. Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable, donc elle est insupportable et comme elle irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé, mais la vie fut autrement. Et enfin, la première place revient à Léo Saint-Charles. Il a 18 ans et vient de Serremange, Erzange. Il a écrit et interprété la chanson « Exister » dans laquelle il se confie sur le harcèlement qu'il a subi. Un message très poignant. Tout ça parce qu'il était maquillé, habillé pour se différencier. Mais les gens ne l'ont pas accepté. Ses parents toujours présents entendent jusqu'au dernier instant. Il ne savait rien de ce qui se passait. Alors bravo aux trois gagnants pour ces magnifiques vidéos pleines de sens. C'est important de se mobiliser contre le harcèlement et c'était là une très belle manière de faire passer le message. Je vous laisse aller découvrir l'intégralité des réalisations sur le compte YouTube du Conseil départemental junior. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.